Fox. Oui, colonel. Nous avons une mission pour toi. Je vous écoute. Tu dois infiltrer l'équipe de Memory Card et tester Metal Gear Solid 1. Ok, mission Memory Card lancée. Terminé. Hey, hey, bienvenue sur le plateau de Memory Card. Je suis avec Chavix. Salut. Et avec Pierre. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour tester Metal Gear Solid 1. Ouais, effectivement, sorti en 98, développé et édité par Konami. Et c'est un peu le bijou de Hideo Kojima. Voilà, le grand monsieur du jeu vidéo. Voilà. Oh. Il était connu, c'est grâce à ce jeu qui était connu internationalement. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui on attend un invité. Hey, salut à tous. Salut. Ça va? Ça va bien toi? Bah ça va, ça va. Moi Guillaume. Salut Fox. Chavix. Pierre. Voilà, donc on a avec nous Fox. Alors Fox, cosplayer officiel Metal Gear Solid. Ouais, la main de Mr. Kojima à Uniqlo cette année, le 15 mai. On a fait un petit concours de cosplay où Raiden s'en est tiré premier, Jack Raiden. Salaud. Je suis arrivé deuxième en Big Boss et Marc qui est arrivé troisième en Solid Snake. On leur passe le coucou s'ils nous regardent. Ouais, bisous à vous. Voilà, donc... Pierre, tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur l'histoire de Metal Gear Solid 1. Alors, on imagine une base nucléaire en Alaska, et là, d'un seul coup, il y a Liquid Snake qui vient avec Foxhound. Explique-nous un petit peu ce Foxhound. Le Foxhound, c'est une unité spéciale de haute technicité utilisée pour tout ce qui est opération top secrète, défense de projets d'armement, destruction de preuves. C'est pas des rigolos, quoi. Voilà, ça réfléchit en groupe, ça y va, ça close tout. Et donc, qu'est-ce qu'ils font là-bas, alors? Explique-nous un peu. Bah, en fait, au final, Liquid Snake, avec des clones génomes et toute son équipe, ils veulent foutre une bombe nucléaire, faire tout péter, et au final, ils veulent avoir le corps de Big Boss. Et avoir $1 million pour un peu faire la fête. Un milliard. Ils vont faire une grosse fête. C'est une sacrée fête que tu peux te faire avec $1 million. Donc Fox, là, tu nous as préparé deux phases de gameplay différentes. Donc la première, dis-nous un peu où on est là. Là, on vient de se battre contre un tank M1 Abraham, piloté par un des boss de MGS, le chaman Vulcan Raven. Tu m'as dit, là, c'est là où t'as utilisé toutes tes rations, d'ailleurs, sur ce boss-là. Ouais, ouais. Donc là, mon Chavix, colle-toi contre la porte. Là, ici, ouais. Juste là, voilà, tu bouges pas. Donc là, le mec passe. Ah, c'est pas mal cette petite. Le mec passe devant toi, mais il te voit pas quand même. T'es camouflé un peu en fait, t'as la même couleur que lui. Voilà. Donc là, on est dans une zone où on peut absolument pas utiliser d'armes, à part les grenades chaff qui permettent le brouillage des caméras. Ouais. Pourquoi? Parce que juste à côté de Chavix, on a des têtes nucléaires qui sont encore chargées. Et Kojima avait estimé utile d'empêcher le joueur de pouvoir tirer à l'intérieur pour une raison de cohérence, quoi. Enfin, par contre Chavix s'allume une cigarette dans un hangar nucléaire, il s'en fout. Voilà. C'est pas grave. Alors, durant que tu tires pas sur une, je sais pas si normalement ça doit pas changer grand chose de fumer un petit truc. Oh, ça te retient un peu de pour vie. La classe, c'est pour la classe. Là, ça te fait perdre de la vie. La cigarette te fait perdre un peu de vie. La cigarette te permet de détecter les lasers. Ah c'est vrai, j'en souviens. Bon, moi j'utilisais les radios, le truc infrarouge. Vas-y, passe la cour. T'es technologique, toi. Voilà, tu fonces. Donc là normalement je crois qu'il y a un ennemi. Là non là c'est bon. Là tu fonces vers l'ascenseur, il est pas encore dans le coin. Limite, appuie une fois sur rond, deux fois sur rond quand t'es en face. Ça le fait apparaître beaucoup plus vite. Oui, je me souviens. Vite, et là, rentre à l'intérieur. C'est bon, t'as la clé, sors. B1. Là, qu'est-ce qui va se passer là quand tu vas descendre? En fait, ton but c'est de faire quoi là? Tu vas chercher quelque chose? Normalement, faut descendre au B2 pour se rendre compte qu'il nous manque un Nikita, mais on va directement descendre au B1 pour aller récupérer un Nikita. Okay. Donc, si tu veux aller briser une nuque dans les toilettes, mon Chavix, je t'y encourage. Quoi qu'il y a le SOCOM aussi, si tu veux. Briser la nuque, ça va être plus sympa. Oh, il est en train de faire pipi, on va y tirer dessus. Si tu veux montrer aussi le kiki du monsieur qui est déjà très pixelisé, si tu regardes, enfin, mets-toi à côté de lui, genre, coucou, tu veux voir ma. Voilà. Ça a toujours été un peu flouté, même dans les pornos japonais. Hein. Vrai, en tout cas, si tu regardes, on voit de la fumée qui sort de. Qu'est-ce qui sort à cause de la chaîne. Voilà, là tu vois bien l'étranger, donc là c'est du bourrinage. De vas-y, bourrine carré là, oui, voilà, c'est bon. C'est ça, donc là tu lui brises la nuque. Et il donne une caisse de FAMAS, de munitions de FAMAS. Voilà. Et au final, il se passe rien du tout dans cette pièce à part ça finalement. T'es juste venu là pour briser la nuque d'un mec, quoi. Tu profites d'un moment de faiblesse finalement, c'est ça. C'est ça qui m'intéresse. Plein de petits trucs marrants comme ça. Ouais. Tu pouvais faire des petites conneries. C'est les trucs qu'ils avaient dans le 2, ils en avaient fait pas mal aussi. Du genre, t'ouvres un casier, là t'as un poster. T'as les posters de FAMAS. Là. Fais gaffe. Remonte. Ouais, là. Tu vas le contourner, non, c'est à son niveau que Stinger est. Il est dans la première salle. Vas-y, avance. Non, descends. Descends, ouais, là, t'as un trou. Là, t'as des stuns. Grenade, génial.
Fais gaffe, il va remonter. Oulala, il est dangereux lui. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'en niveau normal, t'as toujours la vision du cône. Parce que ouais, si tu mets un niveau vrai. Au-dessus, ça devient c'est pas plus vrai, difficile. Il fait quoi? Il arrive. Non, il va faire pipi, t'inquiète. Allez, ah, ouais, bah, ouais. Là, je sais pas si on voit le visage de Charix, mais il est perdu. Hein. Il est complètement sous pression, il transpire à grosses gouttes. Il regarde à gauche, à droite. Voilà, là, t'avances, là, c'est bon. T'es dans le trou, vas-y, c'est bien. Nikita, voilà. Là, je vais dans B2 maintenant. Hop là. Allez, maintenant on se replie. On donc là, on a récupéré le Nikita, pourquoi? C'est quoi le but du. Là, le but du jeu, c'est que le Nikita permet donc de lancer des roquettes téléguidées. On va en avoir besoin pour une petite phase d'infiltration en milieu gazeux. en milieu gazeux, on va dire. Oui, c'est parce qu'il y a le sol électrifié, c'est ça. Voilà, ouais, je peux passer dessus et t'envoies ta Nikita que tu peux diriger quand elle est en l'air, en fait, c'est ça, c'est toi qui l'as, d'accord. C'était super bien fait, ce truc-là, quand même. C'était bien fait, pas évident. Donc là, on va avoir une petite cinématique qu'on peut pas passer, il me semble. Là, il se rend compte que. Là, il y a Deep Throat qui nous appelle. Ah oui. Et en plus, il y a du gaz et il y a une barre d'oxygène. Il faut réussir à tuer. Ah oui, donc ça c'est Deep Throat qui nous appelle. Je me souviens, ça me faisait flipper. Quand il m'appelait, tu sais, tu vois pas son visage. Ouais, il est gentil comme tout, ce mec. Ah, il est gentil comme tout, mais quand t'as 12 ans et que tu vois ça, tu fais. Oh, c'est qui le mec qui me stalk là? Je sais plus. Il m'a invité sur Facebook. Donc là, c'est si tu. Passe en FPS. Hein appuie sur triangle quand t'es. Voilà. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, j'avais découvert un truc en même temps que vous. En maintenant la ligne droite, ça te permet d'avoir une accélération. Voilà, par contre il va super vite hein, si tu. Ouais. Fais gaffe à la porte. Là tu rentres. Non, c'est. Voilà, là c'est... tu rentres. Non, gauche. Ouh, c'était tendu. Tourne. Encore. Là tu rentres dans la petite pièce là, vas-y, là. À gauche. Oui, là. C'est là. C'est tout pété. Bien joué. T'en as plusieurs à tirer, il y a le petit fuite. T'en as 15 à tirer, visiblement. Le first try, c'est incroyable. C'est grâce à Fox, il m'a guidé. Bon, là, va récupérer un petit peu d'oxygène parce que tu le feras jamais. Attends, t'en as plusieurs à tuer quand même des. Non, là t'as juste. Là t'as fait ce qu'il fallait, là c'est bon. En fait, là t'as déséléctrifié le sol et donc là tu vas pouvoir passer. Là ça te permet d'aller dans la zone. D'accord, je me souviens plus de exactement ce qui se passait. Alors c'était par où? Donc là tu descends, tu balances une chaffe. Tu rentres dans la salle qui est là. Ouais. Là, il y a une. Là, t'attends que ta chaffe se lance. Vas-y, rentre à l'intérieur. Équipe-toi du gaz masque. Ah, bien. On sent le mec qui maîtrise quand même. Le mec qui dit ouais, c'est bon, alors attends, là, direct à droite. Tu rééquipes ta carte, tu rééquipes ton masque. Ah oui, il fallait tout rééquiper. Et là, avec un peu de chance, ta chaffe va te permettre de passer tout de suite. Ah ouais, non, dommage. Tant pis. Charge ta. Voilà. Ah, il y a écrit un truc. C'est marqué Otacon Slab normalement sur cette porte. Ah ouais? Ouais. D'accord, voilà. C'est Otacon qui a décidé de taguer son territoire. Ah, il a fait pipi dessus. Bah, d'ailleurs, il parlait là, donc il dit bouge pas. Enfin, ouais. Donc là, on rentre dans une des phases que j'avais adoré en étant gamin. Enfin, ce couloir m'a toujours fait kiffer. Ah oui, on se souvient tous de ça. Ouais. La tuerie du Ninja Cyborg. Je me souviens que ça me paraissait hyper gore. Ah ouais, c'est vrai, l'âge qu'on avait, ça faisait quand même flipper, ça c'est sûr. Ah bah tu rentres dans un couloir, tu blindé de mort, tu sens partout. Puis surtout qu'on avait quoi? Regarde, un fantôme. Ah ouais, parce qu'il reste un mec qui est pas encore mort. Et donc, est-ce que c'est là où tu vas te battre après contre le ninja? D'accord, ok. Le fameux combat à main nue. Ça c'était assez épique, j'ai envie de dire, ce combat. Vrai. Donc là on a vu du gameplay assez général finalement, de base on va dire, là on va aller voir un boss. Ouais. Donc un boss que tu nous as choisi qui est le plus charismatique de tous, Psychomantis. Ouais, voilà. Enfin le plus charismatique, celui qui te fout quand même une belle claque quand t'as 10 ans à peine. Qui te fout assez les boules, ouais. Et que tout le monde a retenu surtout. Ah c'est celui, tout le monde se souvient, je pense que c'est bien celui-là. D'ailleurs, Psychomantis, il est devenu un peu barge au moment où il a dû rentrer. Donc le FBI lui a demandé de rentrer dans l'esprit d'un serial killer, je crois. C'est ça. C'est expliqué un petit peu dans l'histoire. Il a quitté le KGB en tant que il était médium dans le KGB. Il l'a quitté. D'accord, il est rentré dans le FBI. Il a fait une inception à un psychopathe et c'est là qu'il est devenu un peu. Okay. Mais il avait déjà des pouvoirs. Okay. Là, on va peut-être laisser la manette à Fox qui va nous faire voir tout son skill. La fameuse Meryl. Donc voilà la fameuse Meryl. Donc voilà le plan culotte que j'ai zappé. Je suis désolé les gars, hein, franchement. Putain, le seul truc sympa du jeu. Merde. Mais bon, après, il y avait des trucs sympas à faire avec Meryl.
Ouais, c'est, on pouvait la regarder de haut en bas et elle pouvait rougir. Voilà, le tout c'était de mater, bah, je vais aller la mater un peu. Toujours dans les interactions plutôt sympa. Viens copine, oui, bonjour. Je sais plus combien de fois il fallait le faire. Fallait bourriner, fallait se rapprocher, sortir ses jumelles. Tu es vite sur ses seins. Ah, je vois que t'as le bandana alors. Ah oui, j'ai déjà fini. Ça veut dire que c'est pas la première fois que tu t'en. Tu l'as fini combien de fois le jeu d'ailleurs? Je dois, franchement, si je dois compter le nombre de fois que j'ai le fini depuis tout petit âge, j'en suis facilement à 100 fois. Ah ouais, quand même. 100 fois. C'est là de poser question. Juste pour Metal Gear 1 ou... Juste pour Metal Gear 1, ouais. Ouais. C'est le jeu qui m'a fait prendre le PS1 à l'époque. Après, il y a eu Resident Evil, mais bon, à la base, c'était Metal Gear. Ouais. C'était une grosse claque visuelle, en plus, à l'époque. Ah, carrément. Enfin, pour moi, ce jeu-là était quand même visuellement très, très beau à l'époque. Ça y est, elle a rougi un petit peu. Moi, ça se voit pas très bien. Ouais. C'était excité, Chavix. Moi, c'était possible. Bah, moi. T'es quand même une petite folle, là. Après, il y avait moyen de la voir plusieurs fois en culotte. Hein. C'est... Ouais. Et là, c'est un petit... Kojima, c'est faire plaisir aux gamers. C'est ça. Et donc, il a modélisé tous les niveaux en Lego. En Lego, à la base, ouais, pour avoir une logique 3D parfaite pour ce qu'on voit là, placer ses caméras, placer le gameplay. Franchement, ça paye. Enfin, j'ai pas de photos à vous montrer, mais c'était quand même assez imposant. On peut trouver si on cherche sur Internet, si des photos sur Internet. Ça peut être intéressant, ça. Allez, jetez un œil. Donc là, ça y est, on a notre Meryl qui est en train de se faire posséder en live. Je crois que c'est là où elle veut ton corps, là. Il y a un moment où... ça va pas tarder, là. Là, on lui demande si elle va bien. Elle nous fait le coup de la migraine. Ah, bizarrement, ouais, tous les gars, ils sont morts de rire à ce moment-là. Juste devant la porte de la chambre, en plus, c'est ça. Ah, mais carrément. Non, c'est le bureau du patron, directement, c'est tendancieux. Viens voir papa. You want to stay. Là, bizarrement, elle marche bizarrement déjà, tu vois. Ouais, tu sens qu'il y a une démarche. Ouais, c'est vrai, je me rappelle de ça. Ouais. Monsieur Foxhound, oui, c'est bon. C'était encore un petit coup de flip, ça. Il y avait pas mal. C'était assez adulte finalement comme jeu, on va dire. Ah, je pense, oui. Il y avait beaucoup de phases quand j'étais petit, je comprenais rien. Maintenant, je comprends beaucoup mieux. Mais ouais, c'est vrai que t'as raison, avec du recul, on se dit, mais c'est vrai que je comprenais pas grand chose à ce qui se passait. Quoi. Puis là, quand t'essayes de la voir en FPS, bah non. Non, y'a pas. Il n'y a pas, c'est toi qui ouais, c'est ah, t'es dans la tu vois à travers les yeux de Mantis dans le corps de Mary. Ouais, c'est complexe. Hein. Oh. Ah oui, alors là, je me souviens, il faut pas la tuer, mais elle le peut. Ouais, mais elle est elle a un Desert Eagle et le Desert Eagle il te fait perdre un tiers de ta vie. Ah, donc là, on voit Mantis qui apparaît, là, ça y est, voilà, juste Mantis, derrière. Qui est un peu squelettique d'ailleurs, Mantis, si je me souviens bien. Un peu Sadomaso avec sa cuisse en cuir là. Un peu moulant avec un masque et tout. Un masque à gaz. C'est ça, hein, c'est ça, ouais. Un peu cœur moustache, c'est là que tu vois un petit peu dans les soirées fétiches. Ça peut être un bon cosplay, ça, Mantis. Est-ce qu'il y en a eu déjà des cosplays? Il y en a déjà eu. Je connais 2-3 cosplays de Psycho Mantis qui se valent les uns les autres. Est-ce que psychologiquement, ils sont du même niveau que Mantis ou est-ce que... Non, heureusement. Ils sont sociables. Donc là, explique-nous comment battre le boss, là. Donc il est voilà, impossible, là, je crois. Enfin, non, là, tu peux pas te battre contre lui. Tu le vois voler. Oula. Meryl, arrête! Ah oui, faut esquiver en fait. Là, faut esquiver ses tirs et essayer de la faire s'évanouir. Donc, alors, il me semble qu'il y a qu'un endroit où elle est capable de s'évanouir, donc je vais l'y traîner. Tu veux pas aller au bar et tu veux chercher un petit peu de GHB et... Non, ce serait plus simple! Ce serait carrément plus simple! Allez hop, t'as pris ta MDMA, bonne nuit! Non, c'est bon, voilà, ça y est. C'est bon, elle fait dodo. Voilà. Et donc là, t'as Mantis qui va t'expliquer un peu. Sans intérêt, celle-là. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il fait, Mantis? Il voit dans ton. Il lit dans ton esprit et il peut. Ouais. En fait, il y avait un truc, je me souviens, c'était qu'on pouvait changer la memory card ou la manette de port. Bah, pour pouvoir le battre, il te le disait pas avant d'avoir perdu 3-4 fois et. Il fallait changer ta manette de port. Moi, j'avais un pote qui me l'avait dit, moi. Sinon, je savais pas. Il y a plein de trucs comme ça dans Metal Gear, quand tu savais pas, c'était soit tu t'y reprenais maintes et maintes fois, t'arrivais à survivre une heure face à lui et pour au final te rendre compte que ça servait à rien. Ça s'appelle Philippe Monet ? Non, c'est la voix. C'est la voix. La voix est ça fait vachement marrer. C'est quoi Philippe Monet ? Tu t'appelles Philippe. Voilà, la version française qui a été quand même pas mal trollée parce que beaucoup estiment qu'elle a été surjouée et c'est vrai que quand tu écoutes parfois t'as l'impression d'écouter du Superman ou du Batman des années 60, tu vois, enfin des années 70. Sacrebleu, mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Tu te rappelles le bâtard quand même, Robin? C'est ça. Non, tiens bon Robin. Donc voilà, il est en train de dire que je suis du genre à taper dans mes pneus avant de partir, pour ça il faudrait que j'ai des pneus.
Ouais. Et là, il te dit, en gros, si t'as beaucoup sauvegardé, il va te dire... Voilà, là, veux... c'est... il te fait une petite analyse de ton... Voilà, tu disais que c'est excessivement prudent autour. Ouais, j'étais capable de te dire. C'est pas mal, c'est assez bien. Bien sage. Il te fait bien peur. Et donc, bah, la suite du combat, c'est quoi? C'est... Il va venir te balancer des banquettes dans le visage, des tableaux dans le lit. Ouais, il va couper l'écran, il va te... La vue FPS est complètement changée. Enfin, lorsqu'on va essayer de voir à travers les yeux de Snake, ça va permettre de repérer la position de Psycho Mantis via son angle de vue sur toi. Ah, ouais. Okay. C'est toujours un avantage. C'est bien foutu, c'est vraiment quelque chose à part entière. Là, tu regardes, là, voilà, il analyse la carte mémoire. À l'époque, il détectait uniquement les jeux Konami. Sur la version GameCube, ça détecte tous les jeux GameCube. Putain, c'est génial ça. Qui est d'ailleurs superbe, la version Twin Snake. Donc là, il me dit que je ne suis pas prudent, que je ne sauvegarde pas. Et il y avait. Vu que ça, cette manette est une, oula, pardon, une DualShock 3, on a une petite démonstration de pouvoir télékinésique. Ah oui, c'est vrai. Je vais la poser là. Ah oui, c'est vrai que... Pose ton contrôleur au sol. Oh là là, donc là, si t'es un peu con, tu fais ce qu'il te dit. Hein. Bon, t'es devant ta console. T'es... Quand t'es petit, tu l'as en main. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Après la torture, il demandait de poser la manette sur ton bras qui avait été bourriné pendant la torture pour te donner un petit coup de vibration apaisante. Ah mais wow, ça, il est trop fort! Ah, c'est pas mal, il fallait y penser quand même. C'est vrai qu'il est. Ah, voilà, bon bah c'était bien sympa en tout cas. On va te remercier d'être passé sur le plateau de Memory Card. Ouais, c'était bien cool d'avoir un aspect de quelqu'un qui connaît vraiment bien dans le jeu et qui a autant d'anecdotes que ça. Merci. Et si vous voulez vous rebattre contre le boss et vous prendre. Ah bah tiens là, il nous fait Hideo d'ailleurs, c'est quand on voit plus l'écran. Et... Hideo en rapport à Hideo Kojima. Voilà. Voilà. Bon bah un très très bon jeu qu'on a tous je pense apprécié à l'époque quand il est sorti et qu'on on prend toujours beaucoup de plaisir à y rejouer. Dans la mémoire de tous les gamers, je pense. Dit-il la larme à l'œil. Voilà. Bon bah écoutez, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle émission et portez-vous bien. À plus. Allez, ciao. À plus.